Un homme a perdu la vie et une femme se trouve dans un état critique après que le véhicule dans lequel il prenait place se soit écrasé sur un traversier à Tadoussac. L'accident est survenu vers 12h45 sur le quai d'embarquement. Vous le voyez, le quai s'est littéralement transformé en rampe de lancement. Un bris mécanique serait en cause. En raison de l'accident, le service de traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine a été suspendu pendant plusieurs heures avant de reprendre en soirée. Moi, j'ai vu descendre d'en haut, là. Il descendait toute la filée. Il a passé d'ici, puis il a monté sa rampe. La baie, là. Puis il a passé, il a monté le bateau, il était à peu près 10-15 pieds. Il a monté sa rampe, puis il a dompé sur le bateau. Puis il a questionné, puis terre au bout de là. Moi, j'ai eu peur. Tout le monde a eu peur aussi.